On va faire une petite recette aujourd'hui. Tu vas te laver les mains? Tu vas te laver les mains? Moi? Non, moi. Et action. Action! Chez moi, ça résonne toujours. Et donc, c'est hyper embêtant parce que j'ai beau mettre des meubles, j'en ai pas beaucoup. J'ai une table, quelques chaises, un canapé, une petite table et le petit bureau billard. C'est tout ce que j'ai. Aussi le canapé, la chaise en osier, la télé. Et le problème, c'est que ça résonne toujours. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos. Aussi la plainte. Aussi la plainte, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on va faire une recette. On va faire une quiche au saumon avec poireaux, saumon. Donc les poireaux, je viens juste de les laver. Les champignons aussi. Et Lilia, en fait, elle n'est pas très fan du saumon, donc j'essaye de lui faire manger des aliments qu'elle n'aime pas trop en lui faisant préparer la recette. Alors, je vais commencer par couper l'oignon. J'ai pris 3 poireaux, mais je vais en faire que 2 finalement. C'est je vous rassure, je cuisine pas du tout comme ça, c'est juste parce que je filme. Mais après, parce que j'ai une cuisine style studio. C'est un petit peu con parce que j'ai enlevé la chaise. Voilà, et alors, les petites décorations. Alors, pendant ce temps, moi je vais dérouler la pâte.
la pâte. Je vais couper la pâte. Non, la pâte, on va pas la couper. Maman, est-ce qu'on va faire une galette comme ça avec de la vanille? Non, on va faire une quiche. Une autre fois. Mais on a fini ce truc. Super, tu peux encore couper un petit peu d'autres morceaux. Ici, ici. Prends ce qu'il y a dans le gâteau. Voilà, super, c'est bon. Doucement, doucement, doucement. Waouh. Alors, étant donné que la farce est un petit peu légère, j'ai décidé de mettre deux œufs supplémentaires. Ouais, super. Tu peux déposer sur la planche en bois les coquilles. Super. J'ai cassé une fois et maintenant c'est comme ça. Tu veux encore casser le deuxième? Super ce que tu as fait. Un deuxième œuf de plus. Ok, et maintenant tu peux mélanger avec le fouet. Oh. Tu vas garnir. Regarde. Encore comme ça. Oh. Les petites tiges. Waouh! Ça va être très joli. Voilà. Et voilà. C'est plus cassé. Et maintenant, tu mets le fromage dessus. Et maintenant, on va tout mettre ça au four. Tiens. Voilà, j'ai mis la tomber. Je vais mettre ça ici. On va être sage. On va faire preuve de sagesse. On va aller tous ensemble jusqu'au four. Donc je vais mettre la quiche dans le four à froid et ensuite j'allumerai le four à mon aise, tout simplement parce que j'ai pas envie de tenter le diable. Je peux t'aider, maman ? Non, non. Voilà, on va laisser ça cuire. Tu vas le mettre aussi quand tu as besoin, tu mets la galette dessus. Alors les amis, j'ai éteint le four, donc voici la quiche. Attention, voilà, bon, elle est grillée. Non, non, c'est très bien, elle est très bien. T'as oublié? Non, c'est chaud. Je l'ai un peu cassé là, pour la soupe. C'est le plus métier. Je préfère casser une quiche que...